grâce à ce tube, vous pouvez prendre un crayon. Alors le tube, il est vendu, le crayon, il est vendu. Il suffit de mettre ce crayon, qui est ordinaire, hein, à l'intérieur. Refermer tout ça. Faire une petite passe magique. Et grâce à ce tube, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez le transformer en crayon bleu. Et à l'intérieur, c'est tout vide. Incroyable. Et là, c'est un vrai crayon qu'on peut écrire avec. Mais c'est pas fini. On peut faire plein d'autres choses. Un vrai crayon, on peut écrire avec. Il suffit de mettre ce crayon à l'intérieur. Tout simplement. Et de refermer. Maintenant, on souffle. Et ce crayon, on peut l'en transformer en... Oh, une bougie. C'est parce que c'est mon anniversaire, peut-être. Incroyable. Et tout à l'intérieur, c'est tout vide. On recommence. Je vous l'avais dit, c'est pas fini. Un crayon, un tube, toujours la même chose. Il suffit tout simplement de mettre le crayon à l'intérieur. De refermer, de faire une passe magique. Et ce crayon, on peut le transformer en... Oh ! Une allumette. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas fini. Comme c'est pas fini, je vous montre. Toujours un tube, toujours un crayon normal. Il suffit de le mettre à l'intérieur, comme ceci. De refermer. Toujours la fameuse passe magique. On a eu une bougie, un crayon, une allumette. On peut faire plein d'autres choses, comme... Oh ! Des clous ! Mais c'est fou ! Donc vous pouvez le transformer avec le crayon, le faire disparaître, faire apparaître de l'eau, par exemple, ou du sable, ou des clous, ou des allumettes, ce que vous voulez. Vous allez recevoir ce tube qui va transformer un crayon grand comme ça en petit crayon bleu. Mais après tout le reste, si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de les avoir à la maison. Voilà, maintenant à vous de jouer.